avant même que le boss devienne le boss. Le boss a toujours été le boss. T'es déjà fait avoir par Spider-Man ? Comme tout le monde, je suis rendu à la mer avec ces petites toiles. Ah, je déteste ces toiles. Ça rentre dans mes pompes, dans mon futal. Je veux pas savoir ce qui se passe dans ton futal. Je peux pas le frapper en l'air. Allez! J'ai envie de péter des dents. Enlevez-moi ces trucs. Pour un type en prison, on fisque à des hommes extrêmement loyaux. Abandonne et je serai gentil avec toi. J'ai un cadeau pour toi. Déchire-le. T'as pas de passer à ma kermesse. Je vais faire circuler un chapeau. Non, sérieux, j'ai un loyer à payer. Spider-Man, je viens de vérifier. On a identifié une multiplication des billets dans ce quartier. De la fausse monnaie? Un art en perdition. Je vais lui donner le coup de grâce. Coiffure moche, trop de parfum. Ouais, encore des bouts de fisc. Entourez-le! C'est de la triche! Boss fait voir mort! Renfort ? Non, pas aujourd'hui, les gars ! J'ai un mot d'absence de Wooly ! Promis juré ! Tout est réglé maintenant, Yuri. Super. Encore une source de revenus que Wilson Fisk ne pourra plus utiliser pour payer ses avocats.
Agent dans la zone de Vanderbilt. Tenez-vous prêt. Herman, ça faisait un bout de temps. Eh, je suis pas avocat, mais je suis à peu près sûr que t'es pas censé faire ça. Oups, on dirait qu'on en a pour un moment. Tu veux jouer aux devinettes? Non? La garde est pousse alors. Très bien, on va régler ça au point. Wow! Ton équipement a bien été amélioré, on dirait! À ton service! Si tu veux te battre, on va se battre! Ah, j'ai hâte que tu sois en prison pour qu'on puisse parler science! Tu te rappelles notre premier combat? T'es jeune, t'es stupide! Et toi? Ça va, seulement stupide! Oh, tu me parles trop! Ça, c'est ton avis personnel! Et ouais, y'a aucune mesure officielle du temps normal de parole que je sache! Qui décide du rapport idéal de la parole par rapport au silence? En plus, comment on mesurerait? En mots par minute? En syllabes par seconde? Attends, on ne serait pas plutôt en nombre de mots utilisés pour exprimer une idée? C'est complètement subjectif! Moi, je trouve que certaines... Tu te rappelles notre premier combat? Et stupide. Et toi? Eh bah, seulement stupide. Ça, c'est ton avis personnel. C'est vrai, y a aucune mesure officielle du temps normal de parole que je sache. Et qui décide du rapport idéal de la parole par rapport au silence? En plus, comment on mesurerait? En mots par minute? En syllabes par seconde? Attends, ou ce serait pas plutôt en nombre de mots utilisés pour exprimer une idée? C'est complètement subjectif. Moi, je trouve que certaines personnes parlent pas assez. Par exemple, au sujet de la personne qui les commande, de celui pour qui ils travaillent, toi, ce genre de choses. Là, je peux lui faire vraiment mal. Pourquoi tu fais ça, Herman? Parce que sinon, ils vont me tuer!
Attention à toi! Si tu te rends, je peux t'aider! Tu veux vraiment m'aider? Alors laisse-moi partir avec l'argent! Ça, ça va pas être possible! Tu sais, les gens vont plus vraiment à la banque. T'as de la chance d'avoir trouvé de l'argent! Si tu veux vraiment toucher le pactole, essaie les crypto-monnaies! Ça cartonne! Attends! Oh non! Oh, sérieux, Herman? Si tu me dis pour qui tu travailles, je t'aiderai à négocier ta peine. Si je pars, je suis mort! Ils ont été très bien là-dessus! T'inquiète un peu, Herman. Y'a pas beaucoup de personnes qui arrivent à te faire peur. C'est même pas une question de personnes. Va savoir qui cache sous ces masques. Attends, t'as bien dit masque?